À présent, vous êtes peut-être sur la route. Attention, bien sûr, aux radars. Et encore, ils sont pour l'heure visibles. Dans quelques mois, les voitures radars privées, donc pas de gendarmes, pourront opérer et vous flasher à tout moment. Le test va devenir réalité en 2022 sur l'ensemble de l'Hexagone. Une ineptie pour Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Ces radars qui sont conduits par des sociétés privées, c'est un non-sens. Prenons un exemple. Quelqu'un roule ivre-mort sur la route en doublant sur des bandes blanches. La société privée, avec son joli joujou radar, va voir la situation, mais elle ne pourra pas interpeller le chauffard. C'est impossible. Donc cette sécurité routière de façade n'en est en fait pas du tout. Il y a un trait d'union entre d'un côté le radar qui symbolise l'argent et les sociétés qui elles aussi symbolisent l'argent. Si les Français ne veulent pas, ne croient pas en ce modèle de sécurité routière, on ne peut pas le mettre en place. Pierre Chasseret avec Zoé Palier.